Bon, salut à tous, on est avec Dan Apex après sa super victoire contre Fnatic. Donc comment tu te sens? Notre super victoire. Je me sens vraiment bien. Comme je l'ai dit précédemment dans quelques interviews, je voulais vraiment cette revanche en major contre Fnatic. Parce que la dernière fois, on doit mettre au moins une map à Cologne. Et même s'ils sont un peu moins en forme, c'est la meilleure équipe du monde toujours. Et je voulais le montrer. Je voulais montrer qu'on veut aussi être la meilleure équipe du monde. Et on a réussi à battre Fnatic en quart de finale. C'est super. Ouais. Alors justement, là, tu parles de la meilleure équipe du monde. Il y a des gens qui disaient qu'ils étaient un petit peu en méforme. Là, c'est la première fois depuis un paquet de moments qu'ils vont pas être dans le dernier carré d'un major. Tu peux expliquer un peu, tu les sens vraiment en méforme ou c'est vraiment que vous avez été supérieur à eux là? Alors la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'est à la Dreamhack Winter, c'est quand ils ont perdu contre LDLC, donc contre les anciens Envy. Donc en gros, oui, c'est certain, ils étaient beaucoup moins bons que d'habitude. Hein. On peut le sentir surtout individuellement, qu'on a beaucoup gagné nos duels en termes général. Après, c'est Fnatic, je l'ai dit, c'est Fnatic, c'est un major. Ils savent élever leur niveau de jeu, même s'ils sont pas bien, parce que on l'a déjà vu avant Cologne, ils n'étaient pas fous non plus, je les sentais pas fous, mais bon, ils ont gagné le major. Donc là, on savait à quoi s'en tenir, on savait qu'ils étaient moins bons que d'habitude, mais on savait qu'il fallait qu'on donne tout, quoi. Comme on a pu le voir sur la première map, on fait pas mal d'erreurs et on perd la première map, alors que si on joue bien, on doit jamais la perdre, on perd un 5v2, enfin des rounds qui nous mettent super mal. On va revenir sur les maps, je voulais juste... ils perdent contre Luminosity, du coup ils se retrouvent un peu obligés de se qualifier sur un match de lower. Du coup vous tombez contre eux, comment était l'état d'esprit quand vous avez su que vous tombiez contre eux si tôt dès l'écart quoi? Alors encore une fois, c'est le quart le plus compliqué. À Cologne on avait aussi le quart le plus compliqué en tant que Sidin. Après on l'a pris comme un match comme un autre, même si c'est Fnatic, on s'est dit bon les mecs on n'est pas là pour... si tu veux gagner un major, si tu veux gagner une LAN, il faut que tu battes tout le monde. Donc soit Fnatic en finale, soit Fnatic en quart, Fnatic en demi, tu veux les battre. Donc on a eu un esprit assez serein, même si sur la première map, on n'était pas au top. Justement, là on va parler de Mirage. on vous a senti bien parti, sur votre side CT, j'avais l'impression que vous preniez les premiers kills, toujours, c'était plutôt pas mal. Et en fin de round, il y avait des situations de clutch que Fnatic finissait par remporter. Est-ce que tu peux juste commenter là-dessus? Alors ces derniers temps, c'est un peu notre souci, c'est qu'on fait tout le temps les premiers kills et on perd nos rounds surtout en CT. Donc là sur Mirage, ce qui se passe, c'est que on va dire que dans ce genre de round, dans 5v2, comment expliquer, il faut pas prendre, enfin nous c'est un peu un principe, il faut pas prendre des link plans, c'est-à-dire par exemple t'es middle, tu prends pas la ligne de la Windows sur le mid, tu prends pas la ligne du link, tu te mets genre en ligne cassée et tu joues avec tes potes quoi. Et on a joué que des 1v1 et on a perdu 2 ou 3 rounds comme ça, imperdables, donc ça nous a mis super mal. Après le GRTRO, on fait pas un super side CT, le GRTRO on doit le mettre. Et là Nathan, bon, ça arrive, hein, il dit 3 spawns, donc nous on repart tous du spawn, et là il y en a un EDF, et on se fait prendre en sandwich et on perd le round. Voilà, il y a eu des petites mésententes et des erreurs qui nous ont coûté la map, mais on a reçu rebondir après. Justement là après il y avait Kubble, et ouais, vous étiez un peu inquiet de la rejouer parce que vous aviez un peu eu du mal à Cologne sur Kubble justement. Comment vous avez abordé la map, sachant que derrière il y avait peut-être Cash, je discutais avec Astro avant, il me disait... si passe Kubble, c'est bon, sur Cache ils ont ce qu'il faut, comment t'as abordé Kubble? On va dire que Kubble en ce moment, enfin on les a rejoués une fois la GFinity sur Kubble, on a gagné 16-12, bon. Mais on a su comment la jouer après le Major contre eux parce qu'ils ont un style de jeu particulier, mais ils jouent énormément le B en fait en fin de round. Donc on a joué énormément à 4 le B, presque tout le side, je me suis retrouvé très souvent à tout seul. Et au moment où c'est New A, on mettait les rounds, donc Kubble, on était assez serein, c'était quand même notre pic. Parce que bon, c'est voilà, si on pique, enfin c'est notre pic, c'est le pic de Happy. Parce que avant qu'on fasse les bétons, on connaît pas les maps qu'on joue avec Vincent, c'est assez marrant. Donc, Kubble, on est serein, on met bien les runes, on perd des runes qu'on doit jamais perdre. On perd un 3v2, un 4v2, enfin deux runes qu'on doit jamais perdre. Si on perd pas 6 runes, on gagne 12-3 ou 13-2. Mais bon, on sait que notre site est encore meilleur que le CT et on finit bien la map, on gagne 16-9, on était assez confiants. Et après, Cash, quoi. Ça ressemblait à une formalité. On avait un peu l'impression de voir Nip écraser Titan IA sur D2. Quoi. C'était un peu.
Vous les avez enfoncés, comment ça s'est passé? Vous leur rouliez dessus, s'il n'y avait plus de structure? Bah, on va dire qu'il restait cash, 2-2 et... Et inf. Et clairement, c'est la map la plus avantageuse pour nous parce que, enfin, eux, je pense qu'ils priaient pour pas la jouer. Parce que, bon, les deux dernières fois qu'on les a joués, je pense qu'on a gagné 16-5 sur Internet. Bon, c'est Internet et genre 16-6 ou 16-8 à la Gfinity. Donc, c'est sûrement une de nos meilleures maps. Hein. C'est assez connu. Donc, on était assez contents de la jouer et bah, tout s'est bien passé. Quoi. On perd pas de rounds bêtes, enfin, peut-être un, mais bon, on prend deux rounds donc ça va. Et ouais, on était assez serein, notre jeu était fluide, on était au-dessus d'eux au niveau skill, même au niveau stratégique, hein, on a vu que ça manquait de quelque chose sur ce coup, donc ouais, cash était assez simple. Voilà. Ouais, surtout mettre 13-2 en terreau sur cash, ça prouve déjà que niveau stratégie c'était en place. Quoi. Donc là, vous allez affronter le gagnant de Virtus contre G2, un pronostic dessus? Alors bon, tout le monde dirait VP, moi aussi, mais le truc c'est que là, VP sont... un peu moins en forme que d'habitude, mais c'est comme Fnatic, c'est comme le top 4 monde à l'heure actuelle, c'est que nous aussi avant le Major on n'était pas, voilà, mais on sait élever notre niveau, on sait ce qu'on doit faire, quoi. Et VP c'est exactement la même chose, quoi. C'est, bon, ils sont pas en mode Virtus Pro à genre Dubaï ou Katowice l'année dernière, mais ils seront dangereux, j'en suis sûr à 100%, et si on les joue on va devoir jouer encore mieux que comme on a joué là, parce que je pense qu'alors qu'ils sont quand même un poil au-dessus de Fnatic, et dans nos match-up on a quand même pas mal de mal contre VP. Ok, bah impeccable. Et bah écoute, je vais te laisser aller partir te reposer et puis bah, bon courage pour la suite. Merci.